Nouvelle manifestation contre le président vénézuélien. Nicolas Maduro est de plus en plus impopulaire face à la dramatique crise économique que traverse le pays. Des milliers de personnes sont descendues dans les rues de Caracas pour montrer leur colère et soutenir un des leaders de l'opposition, Henrique Capriles. Le principal rival de Maduro vient de se voir infliger une sanction d'inéligibilité pour des mandats publics pour une période de 15 ans. Cette sanction n'aura jamais d'effet. C'est simplement pour nous démoraliser, pour briser l'espoir des gens. C'est pour m'empêcher d'être candidat ou d'être président. Mais il ne s'agit pas d'une candidature, il s'agit du Venezuela. Et nous allons nous battre pour changer notre pays. Des heurts ont éclaté avec les forces de l'ordre. La police a tenté de contenir les manifestants, usant de gaz lacrymogène, de balles en caoutchouc et de canons à eau. Certains d'entre eux, le visage couvert, ont répliqué en lançant des pierres et en attaquant des véhicules des forces de l'ordre à main nue.